Salut mon grand, c'est papa. Oui, c'est papa. Joyeux anniversaire. Tu passes un bon... Oui, hein? C'est vrai? Mais c'est génial ça. C'est maman qui t'a laissé choisir? C'est bien mon grand. Oui, dis à maman que... Non, 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 désolé, non, je peux pas rentrer tout de suite, papa a encore du travail. Ok mon grand? Oui, je t'aime. Ok, monsieur. On a du boulot. Volodin ne reconnaîtra jamais publiquement votre rôle dans sa libération. Il devra se contenter de son retour aux affaires en guise de merci. Au pire, je paierai ma tournée. Quant à Luka et ses troupes, ils s'apprêtent à entrer dans Moscou. Vous appuierez leur opération. La foule devrait braquer l'attention. Votre escouade escortera discrètement le cortège et tâchera de lui ouvrir la route. Ensuite, nous éliminerons Bukharov, le bras armé de Ravensbrück. Le général est sur site pour coordonner leur dernier sursaut de résistance. Cette victoire fera date pour les loyalistes. Nous ne sommes pas là pour sauver le pays à leur place, mais nous allons tout faire pour y contribuer. N'attaquez pas le blindé, on n'a pas de matos pour. Va falloir le contourner. Ouais.
voilà quatre de plus. En plein vent. Deux autres en visuel. Là, à 3 heures. Deux désignés. L'ennemi a une mitrailleuse fixe. Alerte à 9 heures. J'attends ton signal. Reviens, tu vas te faire crier. Je vois un poste de mitrailleuse. À 9 heures. Deux cibles marquées. Paré à tirer. Je suis prêt. Non mais sans déconner, on n'est pas là pour faire du cardio. Duner, moins de 15 étages à tirer. J'attends presque à ce qu'on nous balance des tonneaux. Bordel, pourquoi on n'a pas demandé à être largué direct sur le toit? Si tu voulais rester vissé sur ton cul, t'avais qu'à t'enrôler dans l'Air Force. Ouais, si j'avais voulu en baver comme ça, je me serais inscrit dans un club de gym. Eh merde, dire qu'on va devoir se retaper ces foutues marches en retour. Resserrez sur moi. À mon signal. Overlord Hunter, on a pris position sur toi. Reçu, Hunter. Le président veut le dire lui-même, c'est joué en cortège. Arrangez-vous pour qu'il ne lui arrive rien. Et d'un point de vue sécurité? C'est le chaos. Des unités d'infanterie ont investi les bâtiments sur le parcours. Passez-les au crible et identifiez les cibles potentielles. Reçu.
C'est tout simplement extraordinaire. C'est l'histoire même de la Russie qui s'écrit sous nos yeux. J'apprends à l'instant que Volodine, le président déchu, s'est mêlé au cortège. Le président Volodine en personne s'est joint à la procession. Incroyable. Des partisans se sont réunis autour de lui pour faire rempart de leur corps, comme des sortes de boucliers humains, et pour lui témoigner leur entière dévotion. Ils semblent décidés à le protéger à tout prix, bien qu'un tel dispositif paraisse pour l'instant superflu. Yeah.
Некоторые из нас предпочитают находиться в комфортном рабстве вместо того, чтобы бросить вызов судьбе и изменить свою участь. Даже сейчас некоторые наши сограждане пытаются расшатать наши достижения. Небольшое, но громогласное и агрессивное меньшинство стремится разрушить наши великие достижения! Я призываю вас, верные патриоты, подняться на борьбу с предателями! Давайте скажем «нет» их призывам вернуться к прошлому! Давайте вместе! Identification. Il a une mitrailleuse légère. Il a
Ok, reçu. Ok,
on remet ça. Déployez la rue. C'est tout le feu! Va te planquer! Hunter mobile pour interception. Furtif. Yeah!
convoi est neutralisé. Reçu. Autorisation de vous rendre au QG. La foule progresse en direction du palais présidentiel. Étonnamment, le cortège ne s'est heurté à aucune résistance. Des coups de feu sporadiques ont éclaté, accompagnés du fracas d'explosions, à moins qu'il s'agisse d'obus d'artillerie. Mais jusqu'ici, le cortège a circulé en plein cœur de Moscou sans qu'on ait à déplorer le moindre fait de violence. À ce stade, il y a fort à parier que la junte militaire à l'origine du putsch s'est effondrée. Quant aux coups de feu, il pourrait s'agir d'échauffourées entre des partisans du régime. Nous venons d'apprendre que quelques soldats ont trouvé la mort, mais cela s'est passé en marge du cortège. L'information reste à confirmer, mais tout indique que des règlements de compte éclatent entre les partisans du coup d'État. Nous ne sommes plus très loin du palais présidentiel. J'aperçois déjà sa silhouette. Dans quelques minutes à peine, nous discernerons plus clairement le dénouement auquel cette situation aboutira, si elle aboutit. Déploiement, nettoyez la zone. Restez mobile! Droite! À droite! Quelle est la menace? Planque-toi, c'est fait! Ennemi mobile! C'est bon! Mitrailleuse fixe! Où est-ce qu'il est? À 3 heures! Mobile! À 12 heures! Rechargement! Droitement! Contact! Je me camoufle.
Это движение возглавляют воры и кровопийцы! Я не намерен подчиниться им! Я буду бороться вместе с вами! Le scan magnétique devrait nous rencarder sur ce qui se passe. Ils nous attendent. On force le passage, mais pas par cette porte. Il a l'air plutôt costaud. Les murs sont plutôt fins. Regroupez-vous, on enfonce. En position. À mon signal. Go, go! Nous assistons à la chute aussi soudaine que totale d'un gouvernement illégitime. Nous pouvons maintenant vous annoncer avec certitude que des querelles intestines ont éclaté entre les forces putschistes. Ces affrontements se sont apparemment déroulés avant notre arrivée. Il semblerait que Sergueï Makhmudov, le président autoproclamé du régime, ait été appréhendé. Son complice, le général Bukharov, a été retrouvé mort à son QG, sans doute assassiné par ses propres forces de sécurité. Nous essaierons de couvrir les événements aussi longtemps que possible, mais apparemment... Ça doit vous faire chier. Sérieux? Vous vous tapez le voyage et les locaux vous piquent votre boulot. C'est la routine, quoi. On sort. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? On a réussi à mettre la main sur leurs coordonnées. C'est à cause de ces types que nos hommes sont morts, messieurs. À 5h30, on plie l'affaire. Les locaux vous piquent votre boulot, mon cul. Ouais, la routine, quoi. Aux yeux du monde, la crise est révolue, mais nous savons tous qu'il reste du chemin à faire. D'après nos infos, l'état-major de Ravensbrück se réunit dans un complexe de campagne, mais ça m'étonnerait qu'il s'attarde. À mon avis, c'est leur dernier meeting avant de s'éclipser. Si on perd leurs traces, on peut leur dire adieu. Et vous pouvez être sûr qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est leur bombe qui a mis le feu aux poudres, et c'est nous qui allons en finir. Mais selon nos règles. Messieurs, l'opération reste officieuse. Infiltrer le complexe et neutraliser les cibles. C'est l'heure de régler nos comptes.